je disais que je vous admirais, j'étais sincère. Du sang. Vous êtes bâti une jolie petite vie, inspecteur. Mmh. Vous devriez être fier. Tu vas la fermer, espèce de connard! Californiens, n'approchez pas. Restez à l'écart, compris? Ne venez pas ici. Quoi que vous entendiez, restez à l'écart. John Doe à l'écart, Tom. Mills! Voilà qui revient. Quoi? J'aurais aimé vivre comme vous, David. Ta gueule, toi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que vous m'écoutez, inspecteur? Je suis en train de vous dire à quel point je vous admire. Vous et votre charmante femme. Quoi? Tracy. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est étonnant de voir avec quelle facilité un photographe de presse obtient des informations dans votre commissariat. Qu'est-ce qu'il fout? Je suis allé chez vous ce matin. Après votre départ, j'ai essayé de jouer au mari, de coûter la vie d'un homme ordinaire. Jette ton arme! Ça n'a pas marché. Alors, j'ai emporté un petit souvenir. Sa jolie petite tête. Mills! Qu'est-ce qu'il raconte, ce taré? Donne-moi ton arme. Pourquoi? Pose ton arme. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que j'envie votre petite vie ordinaire. Apparemment, l'envie est mon péché. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Je te demande de me donner ton arme. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Donne-la-moi. Il vient de vous le dire. Tu mens, espèce d'enfoiré! Alors ferme-la! C'est ça qu'il veut. Il veut que tu le descendes. Non! Non! Dis-moi que c'est pas vrai, allez, dis-moi que c'est pas vrai. Deviens vengeance, David. Elle va très bien, dis-le-moi. Deviens... colère. Dis-moi qu'elle va bien! Si tu tues un suspect, David... Non! Tu fous tout en l'air et il le sait. Non! Elle m'a supplié de la laisser vivre, inspecteur. Toi, tais-toi! Elle m'a supplié de la laisser vivre. Ferme-la! Pour elle et pour le bébé qu'elle porte. Ta gueule! Il l'ignorait. Donne-moi ça, David. David, si tu le tues, c'est lui qui gagne.